Tout ça pour te dire que je t'embrasse et que je te souhaite un anti-Noël incroyable. J'espère que tu recevras aucun cadeau et que tu les brûleras si tu en as un. Et amène ça, amène-moi les vidéos parce que je veux voir ça. Et voilà. C'était toi. C'était pour toi. Maintenant, avant de passer à la zizique, parce que j'ai Tatiana Béquin qui m'a balancé un truc. Et il faut le dire ouvertement. Hein? Il faut... Oui. D'accord. On s'excuse infiniment auprès de cette... de la réalité. Oui. Alors, Tatiana Béquin, qui me dit, tu crois que le Père Noël écoute Errance Renaldienne? Bon, ben là, devant cette question-là, je m'interroge. Non. Parce que le Père Noël n'existe pas. Alors, tu crois que le Père Noël écoute Errance Renaldienne? Exemple que je suis un abruti. Ah oui, ben oui! Parce que si c'est le cas, tu peux lui dire de faire en sorte que moins de gens dorment dehors. Et puis, j'aimerais trouver un nouveau pull en cachemire au pied du sapin. Merci d'avance. Tatiana Béquin, hein? Envoyez-lui des courriels. Tu crois que le Père Noël écoute Errance Renaldienne? Parce que si c'est le cas, tu peux lui dire de faire en sorte que moins de gens dorment dehors. Et puis, j'aimerais trouver un nouveau pull en cachemire au pied du sapin. Merci d'avance. Bon, elle me refait un autre avance, bien sûr, comme toutes les Tatiana Béquin. Elle me fait des doubles avances. Zut! C'est un anti-Noël! Non! Pas toi! Je suis sûr que c'est pour pas faire comme tout le monde et qu'on fond la magie de Noël. Tu y crois un peu? On n'est pas des sauvages, hein? On n'est pas des sauvages. Même les sauvages ne sont pas sauvages. Ils sont sauvages parce qu'on s'est imaginé le concept du sauvage. Oui, je suis un sauvage. J'ai un sauvage. Mon docteur, ma doctrine, elle s'appelle Emella. Emella, la doctrine, la docteur. Est-ce que j'ai un sauvage? Oh, vous avez un sauvage extra. Votre voiture part pas? Extrêmement sympathique. Bon. Alors, Tatiana Béquin a-t-elle raison? Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit, zut, c'est un anti-Noël. Non, pas toi. Je suis sûr que c'est pour pas faire comme tout le monde. Et qu'au fond, la magie de Noël, tu y crois un peu. On n'est pas des sauvages. Hein? Alors, est-ce que tu es un sauvage? Est-ce que je suis un sauvage? Fondamentalement, j'espère que oui. Parce que le sauvage, c'est un être primitif et comme plus personne est greffé sur lui-même et qu'il laissait autant de rôles que la société veut bien lui offrir, oui, je suis un sauvage! Oui! Et j'en suis fier! Isabelle Thomas, qui me dit, l'amour change tout. Ça te va, Rénal? Tu vas travailler là-dessus? Oui, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler très fort. Et même, ma belle Isabelle, je t'offre cette chanson de mon ami Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour, et c'est lui qui fera le travail. Je t'embrasse. Bye bye. Place à la musique.